C'est le temps des chansons, c'est le temps des chansons. Un piano, une guitare, des rythmes dans le ton. C'est le temps des chansons, c'est le temps des chansons. Chansons pour deux, pour tous les amoureux. Et alors? C'est pas le moment, Monique. Non, ils n'ont pas encore appelé, ça va? Madame, que diriez-vous d'un gigot d'agneau entier ou demi pour toute votre famille? Rendez-vous sans tarder à notre rayon boucherie, où il est actuellement en promotion à 299 francs le kilo au lieu de 365 francs. Pour accompagner ce gigot, vous ne manquerez pas de faire un détour par notre rayon fruits et légumes, où les haricots princesses sont pour l'instant à 89 francs au lieu de 110 francs. Mais dépêchez-vous, madame, car cette offre exceptionnelle ne sera valable que ce jeudi jusqu'à 19h, alors ne manquez pas cette occasion unique de régaler toute votre famille. Walter Molitor, écoute. Gigi! Maman! Mesdames, messieurs. Gisèle, Monique, c'est votre speaker Walter Molitor qui vous parle. Alors voilà, mardi prochain, à 16h précises, je passe sur France Télévisions. À l'émission La Chanson Chanson, la grande émission d'Hervé Chanson. Où je vais... Mes problèmes d'asthme, c'est quand je peux pas gérer mon stress, en fait. Alors je suis ému et ça vient d'un coup. Tiens, revenons. Bonjour, ma reine. Bonjour, mes filles. Bonjour, nénène. Qui c'est, ces gars-là? C'est le cousin Walter. Celui qui chantait au mariage de José. Je vous ai amené un petit kung yu. Oh, bah, c'est toi, alors. Tu vas très bien manger un petit bout avec nous. Les hommes vont bientôt arriver. Je ne dis pas non. Alors voilà, je suis venu vous demander un petit service. Je cherche quelqu'un pour me conduire à Paris mardi prochain. À Paris? Non, on ne va jamais par là, nous. Je dois passer à la télé. C'est pour chez M. Drucker? Non, 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 chez Hervé Chanson, à la Chanson Chanson. C'est quoi ça? Ça existe depuis des années, c'est tous les après-midi. Ça ne te dit rien, ma reine? Ah oui, je pense que j'ai déjà regardé ça, mais c'est toujours des chanteurs qu'on ne connaît pas. Oh non, justement, c'est vraiment une émission qui propulse tous les jeunes. Tous les grands y ont débuté. Patrick Bruel, Patrick Fiori. Et puis c'est vraiment une belle ville, hein, Paris. Tout le monde le dit. Et on vient le soir même. La besogne ne va pas se faire toute seule. C'est pour la famille, hein, Robert. Il ira avec Jacques. Il faudra compter dans les 8 francs. 8 francs... 8 francs de kilomètre? Hein? Moi, j'avais calculé que ça ferait 2-3 francs, moi.
Et sinon, qu'est-ce qu'il en réclame maintenant, Walter? Celle-là? Trop américain, trop flashy. C'est quand même pour la télévision française. Ah, celle-là, je l'ai déjà vue sur Richard Cocciante. Cocciante, le chanteur? Oui. Hein? Sincérité, c'est le mot que je voudrais te donner. Et ça va, tiens. Faut que je réfléchisse, je ne sais pas. C'est la voiture qu'avec Robert, on est allé à Lourdes. Qu'est-ce que tu dis, Monique? Ouais, non, ça va, écoute, on avance. Pas très vite, hein, mais... On a déjà fait 47 km, je crois. Ouais. Ouais, non, ça t'oublies complètement, hein. Non, les autoroutes, impossible. Ils prennent les petites routes, donc tout le temps, oui. Ça, c'est comme ça. Jacques! Non, écoute, là, vraiment, très sympa, très agréable, une découverte. Ouais. Écoute, je vais devoir te laisser, parce qu'il faut encore que je répète un petit peu, moi, ici. Ouais. Mais de toute façon, on se donne rendez-vous sur l'antenne, hein. Ça va. Mais tu remettras un gros bisou à tout le monde, et puis moi je t'en donne deux, hein, ça va? Allez, ciao, hein, et à bientôt. Jacques, c'est vraiment étonnant cette odeur, hein, tu ne trouves pas, toi? Tu crois que ce serait juste cette petite poule qui... Non, parce qu'on a vraiment l'impression que ça vient de beaucoup plus loin. Moi, si tu veux, je peux te donner un petit sapin odorant fraîcheur Riviera, tu l'accroches n'importe où et tu verras. Tu le payes prix coûtant, de toute façon. En tout cas, c'est vraiment dommage que tu ne connaisses pas la chanson, tu sais. Je comprends pas. Permis de conduire et carte d'identité. Merci. Vous sortez du véhicule et vous ouvrez le coffre. Alors, comme ça, on est belge? On aime plutôt bien, nous, les Belges, hein, Francis? Parfaitement, François. Allez, une fois. Vous allez à Vaujaucourt? Non, on va à Paris. Paris. Paris? Eh oui. Vous savez qu'il y a une autoroute pour aller à Paris?
Oui, tout à fait, mais c'est Jacques. Enfin, excusez-le, c'est mon cousin, en fait. Et il n'aime pas vraiment les autoroutes, alors... on a décidé de prendre les petits chemins, quoi. Les routes de contrebandier. Dis, François, ça sent l'herbe, là-dedans. C'est pas de l'herbe, c'est du foin. C'est moche, ça. Très, très moche, ça. On va à France Télévisions. Je dois chanter à l'émission La Chanson Chanson, Gervais Chanson. C'est ça, oui. Ils engagent des Belges, maintenant. Oh, ben, je suis pas le premier Belge à être invité. Il y en a eu beaucoup d'autres avant moi. Johnny Hallyday, Jacques Brel. Dis, François, il a l'air d'y tenir beaucoup à sa valise, le chanteur. Occupe-toi de la boîte à gants, toi. Dites-vous, le connaissez personnellement, Hervé Chanson? Non, je dirais plutôt que lui me connaît personnellement. Ouais. Je lui ai envoyé une démo. Ouais. Apparemment, il a assez fort accroché. Et paf, j'ai été sélectionné. Ah, ouais. Parce que je tape aussi un peu de la chanson, moi. Ah bon? Ouais. En France, alors? Oui, enfin, un peu partout, quoi, ici. Hein, je... Et vous avez un orchestre? Non. Et vous signez vous-même vos compos? Ouf, enfin... Vous avez une belle voix, je veux dire. Oui, très, très. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais. Ça va. Moi ça qui va, t'aimais. On sent que vous avez une grande générosité, une grande envie. Hein, oui. Mais en même temps, on sent que l'organe n'est pas encore tout à fait prêt. Je crois que l'outil n'est pas vraiment en ordre de marche. Hein. De quoi? Non, parce que si vous alliez à la chanson aux chansons, je crois que vous pouvez emmener Jacques avec vous. Hein. Ah, Jacques. J'ai tout de suite vu que j'avais affaire à une star internationale, moi. Hein, la limousine de luxe et le chauffeur top classe. On va regarder dans la valise, nous. Hein? Bah écoutez, vous pouvez regarder, hein, aucun problème. Voici ma chemise de scène. Alors le texte, parce que je dois tout mettre sur un prompteur là-bas. La bande orchestrale, ouais, c'est du semi-playback hein, là-bas. Mmh. Alors ici, vous avez mon pantalon de scène. Hein. Attention de ne pas le froisser, hein, monsieur. Et voilà quoi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour mon asthme en fait. C'est ça, oui. Ça, c'est du Ventolin, ça. Ben oui. C'est du doping, ça s'appelle. Ah non, moi, j'ai des certificats, monsieur. C'est pour ma maladie. Fouille complète corporelle, chef? Ouais. Tu me feras Dalida avec. Je suis humilié, là. Je suis humilié, t'entends, ça? Si le plus grand des deux avait pas rendu mon esprit, j'étais mort, moi. En tout cas, merci, Jacques. L'idée des petites routes, merci. Vraiment sympa. Tu remercieras la famille aussi. Avec une mentalité pareille, t'étonnes pas si tu finis ta vie nez dans le cul des vaches. Je peux pas. Oh, attends. Je peux pas rentrer avec cette odeur, moi. Suis-moi. Par Danny Murphy. Michael Owen, attention Michael Owen. Il est en grande forme en début de saison. Bonjour. Voilà, je suis venu vous demander un petit. Ok, ça va. Bon, ça marche. Amène-toi. Toi, tu fais le gay, ça va? Ça ira, ça?
Jacques Monspray. Jacques. Jacques. Jacques, qu'est-ce que tu fous? Dis, je me demande quelle chemise il a finalement choisi. On connaît la Belgique, son plat pays si bien chanté par le grand Jacques, Jacques Brel. Un pays qui nous envoie régulièrement de nouveaux talents. En voici un qui non seulement est une voix, mais également une plume, puisqu'il compose lui-même ses chansons. C'est sa première télévision, je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Son nom sent bon son pays, Walter Molitor, et il nous chante « Elle est ma déesse ». Voici le modèle sarcophage, très très demandé. D'ailleurs, il est déjà occupé.